Ça y est, tous les sacs sont faits, donc on les a remplis avec les filles, elles m'ont bien aidée. Donc on a mis des chocobons, donc 3 chocobons, et on a mis un petit sachet de bonbons avec la petite étiquette Happy Halloween. Voilà, donc c'est bien sympa, c'est trop cool, franchement c'est canon. On a fait toutes les bouches, oulala, oulala, oulala. Le piano il est un peu penché. Quoi? On a fait toutes les bouches. Franchement, c'est canon. Et bonjour! Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon chat. Enfin, le mois de juillet là. Donc, toujours plus. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes aujourd'hui jeudi. Il fait un temps dégueulasse. Mais alors dégueulasse, hein. On a eu la pluie toute la nuit. Hein? Ouais. Toute la nuit. Hier on monte, on va se coucher, il me dit oh, il pleut pas ça, parce qu'ils disent qu'il pleut. Il ouvre le Velux et tout, je dis bah non il pleut pas. Et genre 5 minutes après, ça se met à tomber. Bref, donc bah voilà, c'est comme ça, de toute façon c'était prévu, hein. Demain ça va, c'est pas trop catastrophique, et ce week-end ça devrait aller. Je vous avoue qu'hier on s'est pris un coup de speed. Hier soir, on a prévu un petit week-end, ce week-end, c'était pas du tout prévu, mais vraiment pas. Et en fait, il y avait une super offre, mais super offre. Pour aller dans un lieu, on vous emmènera ce week-end. Voilà, on va pas trop en dire, mais voilà, ça va être la surprise pour les filles. Elles vont kiffer, mais vraiment, elles vont kiffer. Même nous, hein, on va kiffer. Hein. Mais je pense que les filles, elles sont vraiment pas prêtes. Ça fait un moment qu'on voulait le faire, et là, quand j'ai vu la promo qu'il y a eu, je me suis dit allez go, on y va. Donc voilà, ça va être trop trop cool ce week-end. Donc on part demain, donc vendredi après-midi, on les récupère à l'école et vroup, on file, et ça va être trop cool. Voilà, ça va être trop cool. Surtout qu'en plus elles sont en vacances, donc on va profiter. Je suis en train de faire mon repas de midi. À midi c'est nuggets. Donc nuggets maison, donc je vais former mes petits nuggets, je vais les mettre au congélateur, après je les fais tremper et je vais les faire cuire. Alors oui, c'est pas le bon temps pour faire des nuggets cuits avec la friteuse, mais Doudou m'a installé le parasol. D'ailleurs t'as vu, c'est une maison des punaises sous le parasol là. T'as vu tout ce qu'il y a? Je t'ai envoyé les invités. Ah ouais, bah super, si les punaises elles tombent dans l'huile, je te dis même pas. Oh. Ça va croquer. Oh, t'aimes bien. Oh. Ne m'en parle pas. Bref, bon allez, on est parti, let's go. Je fais mes nuggets, je vous montre tout ça. Et puis avec ça, on va faire des petites pommes de terre. Je pense que je vais faire les pommes de terre à l'air fryer, et je ferai juste cuire les nuggets à la friteuse. Dis-moi comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que c'est moi qui pue le chien mouillé. C'est parce que tu fais à manger. C'est moi qui sens le chien mouillé là. Mais c'est pas le chien mouillé. Quoi? Mais si. Mais non. C'est moi qui sens comme ça, c'est pas possible. Mais tu sens quoi? Le chien mouillé. Mais comme j'ai mis le bordel dehors là, bah du coup je me suis trompé avec la pluie. Alors là c'est mouillé. Mais non, ça sent pas le chien mouillé. Ah c'est un petit peu. Si, ouais, bah non mais ça, c'est horrible. Horrible. En plus j'ai pourtant c'est quoi? Il m'a dit dis-moi que c'est moi qui pue le chien mouillé parce que tu fais à manger. Bah merci. Bah je préfère que ce soit moi. Mais mon poulet il sent très bon.
repas de midi. Donc, j'ai fait une petite salade qu'on a trouvée hier au marché. Elles sont vertes et brunes. Là, je les aime bien, celles-là. En plus, elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Franchement, j'ai coupé les feuilles. Elle était vraiment très belle. Des petites pommes de terre au air fryer. Et j'ai fait des petits nuggets maison. Voilà. Comment ils sont, les nuggets? Il n'y a que Cali. Vas-y. Fais attention, c'est chaud. Incroyable. Oh, merci, mon amour. Et bonne Ça y est, les filles ont été déposées à l'école. On a déposé également les affiches et pour les commandes des chocolats de Noël. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Là, je suis en train de m'occuper des petits sachets de bonbons. Donc pour rappel, hier j'ai fait des petits sachets de bonbons et donc j'ai mis des petits yeux, etc. Bien sympa. Et donc à l'intérieur, je vais glisser des petits bonbons. Je voulais pas seulement acheter un paquet de bonbons et tout. Vous commencez à me connaître, hein. Donc j'ai acheté des chocobons. Donc je vais mettre deux chocobons chocolat au lait et un chocobon chocolat blanc. Et dedans, je vais glisser hop, des petits paquets de bonbons comme ça, que je fais moi. Donc j'ai des petits sachets transparents. Et là, Doudou, il est en train de me faire des étiquettes pour coller dessus, genre Happy Halloween, à mettre un petit chapeau de sorcière ou un truc dans le genre. Et je vais glisser tout ça dans le sac. Voilà, alors oui, j'aurais pu faire juste les petits sachets, mais je voulais marquer le coup pour les enfants. Et franchement, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais gamine et rentrer avec chez moi. Voilà, donc attendez-vous. Enfin, je m'attends demain à voir tous les gamins à 16h30 sortir avec leur petit sac monstre. J'aime trop. Et alors celui-ci, j'adore le sourire que j'ai fait, quoi. Voilà, donc je vais tous les faire et je vous montrerai tout ça, mais ça va être ouf. Ça va vraiment être ouf. Je vous montrerai avec l'étiquette que Doudou va me faire. Franchement, je crois que mes préférés, c'est ceux qui ont beaucoup de yeux comme ça. J'aime trop. Voilà, avec les petits chocobons et tout, ils vont être trop contents. Ils vont être vraiment trop contents. Voilà. Bref, sinon, c'est tout. Je vais partir d'ici 10 minutes. Je vais même y aller, en fait. Comme ça, je ne serai pas en retard. Je pars faire mes ongles de pied. Et je finirai ça tout à l'heure. Voilà, Aria, elle veut m'aider et tout à mettre dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes petits paquets bonbons transparents. On va imprimer les étiquettes et je le ferai avec elle tout à l'heure. Comme ça, au moins, elle sera trop contente. Voilà, je suis trop contente. Ça va être canon, vraiment. Regardez l'étiquette qu'il m'a fait. C'est trop canon. Ces étiquettes-là, on les fait avec l'imprimante thermique. C'est l'imprimante thermique que j'utilise pour mes envois, les créas de bébé, pour un petit peu tout. Et franchement, c'est super pratique. On a juste à acheter les étiquettes. Et il n'y a pas besoin d'encre et tout. Donc, vraiment trop cool. Donc, ça va être canon. Mais ça... Oh là là, j'aime trop! Ça y est, tous les sacs sont faits. Donc, on les a remplis avec les filles. Elles m'ont bien aidée. Donc, on a mis des chocobons. Donc, trois chocobons. Et on a mis un petit sachet de bonbons. Avec la petite étiquette Happy Halloween. Voilà, donc c'est bien sympa. C'est trop cool. Franchement, c'est canon. On a fait toutes les bouches. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là, là. Le piano, il est un peu penché. Quoi? On a fait toutes les bouches. Franchement, c'est canon. J'espère que ça va plaire aux enfants. Je pense, hein, clairement, mais bon. On sait jamais. Tu t'es voilà. Bien éclatée. Ah, franchement, je me suis éclatée. Bien... Ouais, je me suis éclatée. Exactement. Coucou les abonnés. C'est nous qui avons fait tout ça. C'est pas ma maman. Ah bon? C'est toi qui as fait tout ça? Non. Voilà. C'est toi qui as fait tout ça? Enfin, donc voilà, ça c'est fait. Sinon, j'ai ma copine Pauline, donc la marraine de Romy, qui est passée pour nous faire un petit bisou. Donc on a bien discuté là et l'heure elle tournait, je dis aïe aïe aïe, bah, heureusement que j'avais fait du batch cooking. C'est là que tu te dis le batch cooking c'est vraiment la vie. Je suis en train de tout faire réchauffer, dans 2 minutes on passe à table et dans une demi-heure je pars au boulot. Voilà, donc comme ça au moins on est tranquille. Donc ce soir c'est crevettes, courgettes, au lait de coco avec du riz, ça sera très très bien. Et niveau batch cooking, il nous restera juste le boudin façon poulet à la crème, donc ça sera parfait. Normalement ça c'est prévu avec des nouilles. Nouilles. Donc c'est parfait, nickel. Voilà, les crevettes sont en train de se réchauffer. Doudou a mis la table, on est tout bon. Pour demain, les sacs de bonbons sont faits. Ah mince! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas acheté le 4 quarts pour Aria. Le 4 quarts, il y en a au local. Quel 4 quarts? Les clés, tu l'as trouvé? Il les a et il va demain matin. Quel 4 quarts? Oh punaise! Bah pour la. Non, Aria, arrête de parler. Aria, t'as plus de voix, mon cœur. Pas?
Caca. Pour le goûter d'Halloween de Romy. Bah encore, on mettra les sous à la PE. Oui, je mettrai les sous à la PE. Un 4 quarts, c'est un gâteau. Mais c'est maman, elle a oublié. On sait pas quoi en faire, ça tombe bien. Ah bah voilà, écoute, parce que là. Oui, tu peux. Attends, faut enlever la peau autour. Papa, il l'a enlevé. Il a enlevé la peau. Ah bah tu peux manger. Papa, il a coupé du saucisson. Miam, 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 miam. Allez, voilà, donc ça c'est fait. Oh là là, je le savais que j'allais oublier. Franchement, je le savais. Bon. Sinon, Mademoiselle Aria a eu plusieurs invitations. En fait, je me suis trompée. Axel, elle peut y aller. C'est vrai que ça me semblait, c'est le 22-23. C'est la semaine d'après. Axel, c'est la semaine d'avant. Oui, c'est ça. C'est bien le 22-23, l'ouverture de Valto. Oui, et là c'est l'inverse. Ouais. Bah, je... Chérie, on fait quoi? Tu restes là? Et puis Goji te garde, c'est pas grave. On te laisse chez Anaïs? Tout le week-end, tu viens pas avec nous à la neige. Verra si elle veut rester. Tu veux? Ça va, ça. Tu veux pas venir à Val Thorens avec nous? Si. Hein? Ah bah oui, mais va falloir choisir mon cas. On va emmener Axel, t'inquiète. Voilà. C'est soit l'un soit l'autre. Bon, on verra mon cœur, on verra. Bref, bon allez, on va passer à table hein, et je vous reprends juste avant de partir. Doudou, il a déjà monté le vlog, donc ça c'est une bonne chose de fait. Mon sac de boulot est prêt pour demain. Il y avait pas de faire, donc là. On est ok. On va juste. Ah oui, il faut qu'on réfléchisse ce qu'elle mange en panier repas. Parce que c'est pas demain que je vais faire à manger. Pas du tout. Alors, on en est au petit devoir de Mademoiselle Kali. Qu'a-t-on à faire pour demain? Alors, poésie, continuer à apprendre. On va se la refaire un petit peu. Ouais. On arrive au bout. Lecture, lire, fiche du B et D. Très bien, on va regarder aussi dans tes fiches de lecture. Ah, c'est ça? Ouais, c'est voilà. Celle-là. Et la dernière, faire des maths. Oh, qui c'est qui a pas rêvé de faire des maths? Réviser. Num. Jusqu'à 99. C'est quoi num? Bah non, oh, c'est pas ça, je ne peux pas être pareil. Le grand cahier. Vous vous souvenez de ces grands cahiers? Les Oxford ou Clairefontaine. Et maintenant, même en CE1, oh, il est trop beau, là, peut-être trop belle la poire. Tu veux la poire? Ouais, et tu vois, celui-là, attends. C'est des frites. Et là, ça va être un hamburger. Ah oui, ils sont trop chouettes, les hamburgers. Et regarde si j'ai un dessin. Voilà, ah oui, il faudra le colorier. C'est des champs. Pipi. Et des comment, escargots. Est-ce que tu te souviens comment je t'ai dit, comment on disait champignons en anglais? Pas à tout hasard. Ah non, je m'en rappelle plus. Ce sont des mushrooms. Ah oui, comme des schtroumpfs. Ouais, c'est ça. Allez, on sait tout ça et au dodo. Ah, c'est bon, Aria, je vais regardez, il y en a un autre que j'ai pas colorié. Je vais vous reprendre dans l'autre côté. Octobre. Bon, bah, moi, je me suis mis un peu à l'aise. J'ai déjà mis le pige parce que j'avais très chaud. Puis ça faisait pas de mal. Bah, ça se voit que tu transpirais. Hein. Bah, j'ai descendu tout le linge de toute la semaine. J'ai l'impression d'avoir eu 15 jours, mais en fait, non. 4-5 jours, c'est déjà plein. Donc, une lessive de foncé est en train de tourner. Une lessive de foncé, une seconde, sera en train de tourner quand tu iras te coucher. Et une de blanc, je vais vérifier toutes les tâches, sera également de mise. Un goji. Donc là, j'ai couché, j'ai très vite fait pris la douche de Romy et j'ai couché Romy. Aria est montée, elle avait mal au. Bonjour. Elle a pris un gramme là. Ah ouais. Bonjour vous. Comme d'hab, elle s'installe sur mon sur mes genoux. Ça va que j'y. En tant que chat, je suis pas tout chez moi. C'est ma maison ici. Non mais si t'as bouffé tes croquettes, donc si tu peux éviter de vomir sur moi, ça serait cool. Ou sur le canapé parce que ça peut faire... Ouais. Donc elle va nous aider à apprendre la poésie. Gogida? Ben elle sait pas écrire, elle sait pas lire. Elle entend elle tout. Elle sait pas entendre. Elle entend tout, elle sait tout faire. Laisse-la tranquille, regarde. Elle est toute bien. Les gentilés, les chauds, les froids. Il faut qu'il soit froid, sinon c'est qu'elle est malade. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc, et Ariel avait mal au ventre. Donc elle est vite allée monter se coucher. On lui a fait une petite
une petite, comment on appelle ça, les nounours là qu'on met au micro-ondes pour que ça fasse du bien au bidon. Une bouillotte, merci. Et du coup, elle allait se coucher. Je lui ai dit, bah, va plutôt te coucher au lieu du canapé dans ton lit. J'arrive, je vais m'occuper de toi et tout. Elle a brossé ses dents, elle allait se coucher. Enfin, elle s'est mise dans son lit. Le temps que je finisse de ranger en bas, que je monte, elle dormait déjà. Donc bon, elle avait besoin de dormir, je pense. Principalement. Voilà, voilà. Allez, donc là, il est 20h05. 20h, à peine 20h. Donc c'est l'heure de faire dodo pour les filles. Et juste avant qu'elle aille se coucher, Cali termine ses petits devoirs pour demain. Tu fais des trucs avec Halloween demain à l'école ? Non. Rien de spécial ? Rien. Bon, je travaille toute la journée. Bon, tu verras bien. C'est toujours les mêmes journées. Vous avez cantine, on va vous faire des super plaques, maman. C'est quoi, t'as l'homo avec carottes ? Et les nouilles. Et les nouilles. Ah, et les nouilles que je suis en train de faire refroidir du coup. Cool ? Oh là là, mes ping-pong sont au canapé. Allez. Moi j'essaye de la faire belle. Je reprends après, on m'occupe des devoirs de Cali. Allez, c'est fini. Elle a super bien bossé. Les maths et tout, c'était trop nickel. Les lettres B et D, c'est la distinction des deux lettres. Donc c'était pas facile, mais elle s'en sort bien. Et puis les nombres de 1 à 100 avec les familles, les dizaines, les vingtaines, les unités, les trentaines, etc. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'il y en a une qui a tout laissé tomber. Il s'est endormi comme une vieille bouse. Voilà. Et puis, moi, je vais finir de monter le vlog. Et puis, je vais faire 2-3 trucs administratifs à PE et je vais me coucher. Je vais faire en sorte de me coucher plus tôt que d'habitude maintenant. Parce que sinon, je vais jamais tenir les jours qui arrivent. Et comme on a en plus un super week-end, on vous emmène avec nous. Et puis, on vous en dira plus très très vite. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et puis, voilà. Allez. Excellente journée à vous, prenez soin de vous et à très très vite.